encore ce faucon. On dirait qu'il nous suit. Non, je peux pas tuer le pierre. Bon, j'ai du casse-croûte. Je reconnais cet endroit, c'était aussi dans Destiny 1. Oh, regardez. Quelqu'un a laissé traîner un gardien en parfait état. La situation doit être pire que ce que je pensais. Ça, c'est mauvais signe. C'est le moment d'y aller. Oh, mais attendez. Où allez-vous? Aussi loin d'ici que possible. Ce faucon, il est à vous. Je m'appelle Osorn. Lui, c'est Louis, notre meilleur pilote. Et vous? Vous êtes en état de voler? Vous aurez sûrement besoin de ça aussi. Il est temps de vous rendre utile, gardien. Très bien, allumez les moteurs. Un long voyage nous attend. Nous pourchassons ceux qui ont fui. Et les pauvres fous qui sont restés derrière ont été exécutés. La victoire, comme d'habitude, est entre tes mains. Cette victoire est autant la tienne que la mienne, mon vieil ami. Il ne reste plus qu'à terminer cette cage autour de cette grande machine. Puis nous commencerons à extraire son pouvoir et pourrons le prendre à notre compte. Il l'appelle le Voyageur. Je suis d'avis qu'une autre civilisation pourrait lui trouver un nom plus précis. Et ses fonctions peuvent être contrôlées, exploitées, comme nous l'avons clairement prouvé. Pourtant, ils le prennent pour un dieu. Dominus. Gaul. Toi et moi avons passé nos vies à essayer de refondre notre société, reforger notre peuple, reconstruire un empire quasiment détruit par l'avidité et la corruption de Kallus.
Rien dans l'univers n'est plus grand que toi. La Légion Rouge lui prendra sa puissance. Tu deviendras empereur. Que te faut-il d'autre, Dominus ? J'aimerais m'entretenir avec mon invité. C'est donc toi, la voix du voyageur.